Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des niches de business en ligne les plus rentables. Dans cette vidéo, en fait, je dirais cette vidéo serait plus théorique que pratique. Et il est important vraiment de suivre cela si vous comptez vraiment réussir dans le business en ligne. Il est important de suivre pas à pas. Il est important de prendre vraiment en considération tout ce qui va être dit dans cette vidéo, parce que l'erreur que la plupart des débutants commettent sur Internet, c'est souvent de se lancer dans des niches soit qui ne sont pas rentables ou de se lancer dans les niches qui sont rentables mais très concurrentielles. Ils ne savent pas comment faire la part des choses. Ils ne savent pas comment vraiment se distinguer du lot et tout. Donc, dans cette vidéo, nous allons en parler. Je vais en parler et je vais vous expliquer ce qui fait que une niche vraiment soit rentable et comment s'y prendre dans une niche très saturée. Donc, je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Michael Mika. Sur cette chaîne YouTube, je vais partager des astuces marketing, stratégie, business en ligne et tout ce qui concerne arrondir ses fins de mois. Alors, sur cette chaîne YouTube, je partage uniquement ce que moi j'applique au quotidien, ce qui fonctionne, ce que je teste et que j'approuve avant que j'en parle. Alors, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si la vidéo également te plaît, lâche-moi un petit pouce bleu, ça serait simplement pour m'encourager. Et partage également la vidéo avec tes proches et bon, pour leur faire également en bénéficier. Donc, de ce contenu, ok. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je te recommande de checker le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est une mini formation sur l'affiliation pour poser les bonnes bases dans l'affiliation. Si tu comptes générer des revenus passifs sur Internet, arrondir tes fins de mois, peu importe si tu as un boulot déjà que tu es en temps plein, tu peux faire cette activité 2 heures par jour. Ça peut être soit le matin avant d'aller au boulot, soit le soir, une fois que tu es rentré, que tu es reposé et tout et tout. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est très important de diversifier un peu ces sources de revenus parce qu'on ne sait jamais ce qui nous réserve le lendemain. Ok. Donc, dans cette vidéo, je vais énumérer pour moi donc les 7 meilleures niches de business en ligne. Ok. Donc, pour moi, je vais énumérer 7 meilleures niches de business en ligne, mais avant de vous énumérer tout cela. Bon, avant de vous expliquer vraiment ce qui fait à ce que une niche soit vraiment très rentable, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. C'est que les gens dans la vie, en fait, nous sommes motivés plus par la peur. Donc, si vous avez déjà remarqué, les gens prennent plus de décisions souvent dans la vie lorsqu'ils sont dans des situations souvent inconfortables. Soit, par exemple, la peur leur pousse peut-être à dire directement oui ou à dire directement non. Donc, la plupart des temps, lorsque vous allez regarder dans la vie, la plupart de nos décisions sont prises plus par la peur. Dans les gens, par exemple, ont peur de ne pas, par exemple, avoir de quoi donc mettre dans les assiettes, par exemple, de soi. Les gens ont peur, par exemple, de tomber malade, peur, par exemple, de ne pas se faire aimer, peur des critiques, des moqueries, peur des avis des autres. Donc, tout cela, c'est ce qui motive vraiment notre instinct animal, ce qui fait à ce que tous nous sommes prêts à faire de n'importe quoi pour pouvoir survivre, tout simplement parce que tout notre système est contrôlé par la peur. Et ce qui rend vraiment une niche rentable, c'est ce système-là en fait. Donc, dans tout business, lorsque vous allez vous lancer, lorsque vous allez toucher directement l'émotion des gens, vous allez voir que l'argent va sortir très rapidement. Donc, lorsque vous allez toucher le point sensible des gens, par exemple, si vous dites à quelqu'un que bon, par exemple, paye-moi pour le service, par exemple, que je vais te rendre, qui va peut-être te rendre millionnaire dans 5 ans. Il va peut-être dire, bon, ça m'intéresse pas trop. Mais si vous dites que, bon, paye-moi peut-être pour tel service que je vais vous rendre, pour que vous ne puissiez pas peut-être perdre votre vie, peut-être pour que vous ne puissiez pas perdre votre temps, pour que vous ne puissiez pas perdre 5 années de votre vie, alors ils seront très motivés à vous payer. Donc, ce qui fait que les niches de peur sont les niches les plus rentables. Et dans cela, nous allons entrer dans la première niche que moi j'estime être la niche la plus rentable. Donc, bon, en fait, c'est pas la plus rentable, une des niches les plus rentables. Donc, c'est tout ce qui va être la santé et le bien-être. Donc, tout ce qui va être dans tout ce qui est santé et bien-être,
Ce sont des niches vraiment très rentables parce que pourquoi les gens peuvent par exemple de tomber malade, les gens peuvent par exemple d'avoir plus de surpoids. Donc dans la niche de santé et bien-être, vous aurez tout ce qui va être tout ce qui est complément alimentaire, par exemple sur internet, tout ce qui va être perte de poids, comment bien se sentir dans sa peau. Donc tout ce qui va concerner la santé, c'est une niche rentable. C'est pour ce faire, vous allez voir les business qui survivent ou qui subsistent il y a de cela des années. Il y a la santé et il y a plein d'autres que nous allons toujours énumérer dans cette vidéo. Dans la deuxième des niches, la deuxième des niches que je vous recommande par exemple de vous lancer pour gagner de l'argent sur internet va être la niche de la finance. Donc tout ce qui va être finance et crypto. Donc tout ce qui va être finance et crypto-monnaie, NFT, etc. Donc dans ce domaine, bon, les gens peuvent par exemple de la pauvreté, donc ce qui va faire que ils seront motivés par exemple plus des programmes de devenir riches, comment devenir millionnaire, comment investir dans les cryptos, comment investir dans les NFT. Donc si vous êtes dans ces domaines, dans ce marché, alors vous êtes dans une bonne niche. Il suffirait simplement d'apporter votre petite touche et vous aurez par exemple votre part de gâteau comme cela. Donc l'autre niche qui est la plus rentable sur internet par exemple, c'est les logiciels SaaS. Donc tout ce qui va être paiement par abonnement, par exemple dans tout ce qui est logiciel SaaS, vous allez trouver par exemple des logiciels comme System.io. Pourquoi System.io est devenu bon, tellement rentable sur le thème dans des années qui s'écoulent? Simplement parce que System.io a touché le cœur du business qui est B2B, donc business to business. Il propose du business à des personnes qui font du business. Alors, donc, ce qui fait que son produit est vraiment très rentable. Vous pouvez trouver également d'autres logiciels, par exemple sur Internet, pour lancer votre business et comme cela. Donc, vous spécialisez dans ce marché de logiciels SaaS. Dans l'autre domaine, par exemple, ce sont les formations en ligne. Dans formation, ok, je vais donc la quatrième des niches rentables sur Internet, ce sont les formations. Donc, les formations en ligne. En fait, l'éducation, si vous remarqueriez depuis les récentes nouvelles de la COVID, tout ce qui était e-learning, donc c'est beaucoup accru. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin de la connaissance, en fait. Donc, si vous spécialisez, par exemple, dans le domaine des formations en ligne, vous faites la promotion. Je dirais, si vous, peut-être, votre modèle de business, par exemple, c'est faire de l'affiliation en vendant des formations en ligne, alors vous êtes dans un bon marché. Ou si, par exemple, vous voulez créer des formations pour générer des revenus sur Internet, vous êtes toujours dans un bon marché. Donc, c'est l'une des niches également, l'une des niches vraiment rentables dans tout ce qui est business en ligne. Dans l'autre que j'estime vraiment être rentable sur Internet, c'est les jeux en ligne. Donc vous allez voir par exemple aujourd'hui, vous allez voir les entreprises comme 1xBet font de la publicité à des milliards, donc que ce soit euro, dollar, CFA, francs suisses, canadiens, bon bref, peu importe. Donc les jeux en ligne rapportent énormément aujourd'hui, donc c'est l'un des business les plus rentables. Donc vous pouvez par exemple créer un blog qui parle des jeux en ligne, des paris sportifs, des paris foot, ou par exemple créer une chaîne YouTube pour parler de ces sujets, créer des formations pour vendre dans ces sujets, apprendre aux gens comment parier, ou pourquoi ne pas payer des développeurs pour créer votre propre jeu, dans votre propre jeu en ligne comme cela, et proposer, bon, par cela mettre des systèmes par exemple de rémunération. Dans l'autre niche rentable que je trouve, c'est tout ce qui va être relation amoureuse. Ok, donc tout ce qui va être relation amoureuse, c'est vraiment un marché rentable. Donc les gens ont besoin de se sentir aimés, les gens ont besoin de se faire valoriser, bon, et tout. Donc dans les niches de tout ce qui est relations amoureuses, par exemple les sites de rencontres,
Vous verrez que ce sont des sites qui, bon, qu'attendent vraiment, qui font des chiffres, peut-être qu'ils ne déclarent même pas, mais le marché là-bas est vraiment lucratif, tout ce qui est rencontre et tout ce qui est relation. Et l'une d'autres niches que je trouve vraiment rentable également sur Internet aujourd'hui, ça va être tout ce qui est voyage. Tout ce qui est voyage. Voyage et randonnée. Dans tout ce qui est voyage et randonnée. Ce marché-là également est en train de se développer. Donc, voilà un peu cela pour tout ce qui est, pour moi, j'estime les niches les plus rentables pour lancer un business sur Internet. Donc, si vous spécialisez dans la santé, le bien-être, la finance, la crypto, NFT, la promotion des logiciels SaaS, la promotion des formations, des jeux en ligne, casino en ligne et tout, dans tout ce qui va avec les relations amoureuses, sites de rencontres, applications de rencontres, rencontres entre particuliers et tout, tout ce qui est randonnée et voyage. Donc, si vous spécialisez dans ces marchés, vous allez gagner de l'argent. Mais une autre recommandation que je dirais, si vous êtes débutant, ne vous spécialisez pas directement dans toutes ces sept niches. Je ne vous recommande pas, si vous êtes débutant dans le business en ligne, c'est simplement de vous spécialiser de ce qu'on va appeler les sous-niches. Bon, par exemple, si j'entre dans la niche, par exemple, de la santé, dans la santé, on a une niche encore, par exemple, qui est la perte de poids. Par exemple, dans la niche de la perte de poids, vous pouvez encore avoir une sous-niche, par exemple, bon, perte de poids, par exemple, pour les adultes. Bon, peut-être, disons, perte de poids pour les hommes de plus de 45 ans. Donc, vous pouvez, par exemple, vous spécialiser cela. Donc, uniquement faire la promotion des produits de la perte de poids des hommes de plus de 45 ans. Vous pouvez aussi, par exemple, vous spécialiser dans le cadre fait perte de poids pour les femmes après accouchement. Donc, vous voyez, vous êtes dans les sous-niches, en fait. Donc, si vous spécialisez directement dans la perte de poids, la concurrence est vraiment rude. Ça serait un peu très compliqué pour vous de générer des revenus comme cela directement et facilement. Donc, par exemple, au niveau de tout ce qui va être voyage et randonnée, j'ai un service, par exemple, sur Komoop que je propose dans tout ce qui est service et randonnée. Donc, par exemple, c'est de vous créer un système d'affiliation d'offres de vol. Donc, vous avez un business comme cela, clairement, que vous pouvez lancer du jour au lendemain et commencer à générer vos revenus sur Internet très facilement. Donc, je vous recommande d'aller sur mon profil comme Michael Mika, de checker ce service, de lire la description et autres. Donc, si cela vous intéresse, alors vous pouvez commander ce service et je m'en chargerai de lancer votre business, de vous accompagner en fait dans ce processus de lancer votre business sur Internet. Ok. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres niches que vous estimez vraiment être rentables sur Internet ou bon, bref, dans le business en ligne, faites-moi part dans les commentaires. Ok. Abonnez-vous et donnons-nous rendez-vous dans les prochains tutoriels. Merci.